Ah, peste! Yo, bienvenue dans Qui aura le plus de courage? Je prends 30 secondes de ton temps pour t'expliquer le concept, ça commence juste après. Donc, pour cette vidéo, on va être 4 participants. Ça va être moi, Antoine, Thomas et Étienne. On va avoir 10 défis cachés à l'avance. Donc de 1 à 10, 1 étant le plus facile et 10 étant le plus dur. Nous avons tous, chacun, emmené 50$ et on l'a tout mis en jeu. Un seul d'entre nous va partir avec les 200$. Celui qui va réussir le défi le plus dur, donc il va réussir à mettre son nom à côté du défi le plus loin dans la liste, va remporter les 200$. Moi, je filme l'intro après l'avoir fait, puis je vous dis à partir de l'étape numéro 5, ça commence à se compliquer. Donc je vous souhaite une bonne vidéo. Ciao! Ok, j'enlève le défi numéro 1. On y va? Si j'affirme! Je craque pour toi. Je craque pour toi, mon coco. Les trois autres participants doivent te casser un œuf sur la tête. C'est sûr. Fait qu'il y a un de nous dans le fond qui va devoir se porter volontaire. C'est bon, je vais ouvrir le bal. Je vais le faire. Moi, c'est pas une question que j'aime pas, Étienne, c'est qu'il a les cheveux les plus courts. Fait que ça aurait été le moins chien à faire pour nous trois. C'est décidé, on passe au vote, c'est Étienne. Attends, je suis désolé. À chaque fois, faut désigner quelqu'un? Non, c'est celui qui se porte volontaire, sauf que là, on est décidé, c'était toi. Est-ce que tu veux le faire? Ouais, oui, est-ce que tu veux le faire? Merci, gros. Non, mais gros, on va pas. On va pas les traiter au point que ça tombe. Ouais, attends, je vais le moment là. Ouh, attends. Juste le défi 1. Oh, oh le mot. Excuse, tu peux-tu faire attention à ma chaise, s'il te plaît, parce que là, c'est un peu. Oh, ton papy, gros. Ton papy. On va pas les traiter au point que ça tombe. Je peux-tu m'essuyer, s'il te plaît, j'en ai un peu. Ah, je t'en prie. Oh, ça fait mal, moi, ça fait un peu, ça. C'est quoi cette patte d'ours? Ouais, c'est pas une même mais je te dis le truc, ça éclate, tu vois. Je craque pour toi, mon coco. Ah oh, oui, ah, oh, je vous aime. Mais Étienne, attends. Il est dans l'œil, ici. Ton vieux. Est-ce que j'ai besoin de dire que c'est un nouveau chandail qu'on m'a offert? Hein? Est-ce que j'ai besoin de dire que c'est un nouveau chandail qu'on m'a offert? Ouais, tu peux le. J'ai déjà sorti, bébé. Ok. Oh, Alice, on est là, attends qu'on vous voyez une serviette, quoi. Ah. On est juste en train de ramasser le tapis pendant qu'il y a cette bêche. On est tout en train de se laver les mains. Mes serviettes sont blanches. Non, une crise de serviette, pas encore, Alice. Mes serviettes sont blanches. Tu vas trop laver. Ouais, on s'est tous lavé les mains avant de les. Et les défis 2. Oui, là, je suis prêt à vous pitcher sur le pont, là, aussi. Ah, je t'aime, ça. Le stalker. Tu le fais? C'est oh, oui, je sais quoi, mais ok. Tu veux pas l'expliquer, ça? Non, c'est numéro 2. Bon, moi, je veux l'explication. Le nom, Sacrifice Life. Bah, moi, je le ferai pas. Le nom, mais c'est pas confiance. Je vais le faire. Ouvre Instagram et like toutes les photos du profil de la première personne que tu vois dans ta feed. Pas de célébrité, pas de groupe. Actualise. Non. Tu descends? Non. Tu descends? Encore? Ben oui. Ah, Brian Wimet, c'est vrai. Attends. Brian Wimet? Ben ouais, il est chanceux là-dessus. Brian, tu passes? En plus, Brian, je le connais. Bonjour. Shout out Brian. On va voir. Race. J'ai reçu mon petit. Vous pouvez mettre vos téléphones sur 10? Ouais, j'ai fait ça. Ouais. Je vais vous penser. Et voilà. C'est pas très, hein? Très professionnel, non? Est-ce que je prends un crayon Sharpie que je puisse mettre la lettre des personnes? Assistante. GG. À la régie, okay. S'il vous plaît. Soirée costume. Je vais. Tu dois porter un costume pour le restant de la soirée. David. Moi. Ah, mais c'est quelqu'un qui lève la main. Tu me veux le faire? Je le fais. Non. Ça va être une grosse bite. Donc. Silence dans la cuisine, s'il vous plaît. Oh putain! T'as déjà fait ça? Merde! Non, en fait, à poil en dessous, là.
C'est tellement laid, mon gars. Mais en vrai, j'ai vu, ça fait genre. Quoi? Sa vérité. Aïe, c'est parfait. La claque. Les défis jeux. La claque. Dyslexie, attention. La claque. Chaque participant doit te claquer. Te claquer avec un pita. Aïe, aïe. Bon, ça va faire mal, mais j'y vais. J'y vais. Tu... Amenez les pita. Oh, oh oui. La claquer. C'est juste la pita, hein, pas ta main. Non, il y a rien compris de ça. Tu vas avoir sur le chat, c'est ça? C'est chaque participant, mais je pense que la pita va péter. Un peu comme ça ici. Hein? J'avais juste une pita. Toi, c'est quoi ta technique, hein? La pita en deux. Oh, il y a ça. Je pense que la pita en deux serait bien. Ouais, je pense que c'est bon. Tu sais, une bonne plus. Tu sais, plus de. Mais je pense que le but c'était vraiment que ce soit juste. Juste comme ça? Ouais. Tu veux qu'elle soit flasque, hein? Ouais. Moi, je sens que la pita va déchirer. C'est vraiment pas. T'as pas mis le. Tu sais que ça va être rien en fait. Ok, c'est bon. Oh! C'était pas super, j'avais été gentil. Je veux vraiment que tu lui défonces sa gueule. Oh non. Il faut souffrir. Du film numéro 5. Tu dois te faire épiler la jambe. Une bande de cire. Ah, ok, ouais, bon. Quoi? Lui, il a pas compris. Il est confiant. Il est confiant. Oh, go, go, go. Question, ça repousse comment après? C'est un mois. Ouais, mais c'est chill. Oh, c'est pas intérieur, mais c'est pas intérieur. Ben en fait, tu sais quoi? Tu vas pouvoir savoir dans un mois. Y'a pas de poil en avant. En arrière, sur le côté. T'as quoi que je suis... Oh, oui! Aïe, aïe, aïe! Ok, c'est de droite à gauche. Tu veux pas le dos? Ah, mais il veut pas le vite, c'est pas plus haut. C'est vrai, c'est... Ça va passer. Tu la tires du premier coup. Une shot, hein? Ouais, on a fait un jam. Ok. C'est l'inverse. Ouais, ok. Non. Sir? C'est vraiment pas spec? Ouais, c'est pas spec. Quoi? Parce que t'avais juste pas de. En plus, y'avait pas tant de poils dans ta tête. C'est pour ça qu'elle avait vraiment. Mais non, y'a du poil là. Oh, y'en a. Tabarouette. T'avais pas plus haut là. Là, c'est propre là. Tabarouette, man. Y'a juste rien, ça aussi. Je me rase même pas. Je me rase, ça ressemble même pas à ça. Je pense pas que c'est. Je pense pas que c'était la bonne formulation. C'est dégueulasse, je le montrerai pas en vidéo. C'est vraiment dégoûtant. Tu veux le faire? Je sais pas comment. Pour vrai? Je sais pas comment. On peut les deux faire le défi? Attends, on peut les deux faire le défi? Ben oui, je m'arrête tout ça. Ben maintenant, oui. C'est trop là. Non, mais ça, c'est un bon spot, Antoine, il y en a plein. Vas-y, vas-y. Ah, oh, c'est là que. Fais juste le faire chier là. Attends. Ah, parce que. Fils de pute! Je t'ai dit que t'es grand mec! What the fuck? Il est devenu un cochon en une seconde. Oh la salope! Ah, oh, c'était comment? C'est parce qu'il est comme ça. Ça fait mal, si? Montre! Ouais, oh, monte à la caméra. Oh, monte à la caméra. Ça m'a pas arraché, si ça a juste mal! Mais quand même, il est quand même possible. Bon! Il est quand même possible. Ah, oh, c'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Tom, t'as vu le moment! Tu viens d'y arriver pour mettre sa jambe, tu dis quoi? Tiens, caméra. On se lance sur le défi numéro 6? Yes, sir! Yes, sir. Bonne chance. Boisson spéciale. Déjà là, ça m'intéresse. Tu dois boire une boisson préparée par les autres participants. 5 ingrédients, mystère, plus du lait. La question, c'est est-ce qu'on doit tout boire ou une gorgée? Cul sec? Tout boire. Une gorgée, tout boire. Tout boire, excuse. Parfait, on va aller préparer ça puis on le présente juste après. J'ai une demande. Sortez-moi une chaudière. Qu'est-ce que je vous mets ça après? Tu vas voir ta chaudière. Ok, merci.
Jack Mima, si vous êtes un gros. Vous savez qu'il y a un sujet dans la vie qui fait pas. Que j'ai appris que ma mère était mon père. Est-ce que j'ai le droit de savoir au moins avant qu'est-ce qu'il y a? Non, non. Après, mais tu peux prendre une gorgée pour on te dit. Une bonne gorgée, là. Pas un. Ouais, ouais, ouais. Ça. Ah, oh, il y a du. Ouais, effectivement. J'ai effectivement. Comment qu'on appelle ça déjà? La voûte de la bière. La racinette. La bière de racinette. Protégeons la langue française. Un bon petit repas. T'as mal. T'as mal. Des motons. Ça, c'est la reliche. La zone salaire. Bah oui, c'est logique. C'est dégueulasse à quel point. So sorry. Un adorable. 20 sur 10. Oh, mon anglais sur 10. Nul à chier. Oh merde. Mes sympathies. Ce n'est qu'un début. Okay. C'est compliqué. Ben, je peux pas faire ça, mais. Tu sais, tu veux le faire là? C'est vraiment d'une traite, gros. Pas un trempage de lèvres. Hey, j'ai shake, comment c'est dégueu. C'est pour ça que je l'ai pas fait. Je sais qu'on. N'importe quoi, c'est dégueulasse. En plus, c'est. Gabam! C'est tout, qu'est-ce qu'il y a? Let's go, Gabam! Mais c'est quoi les prochaines idées? Hein? Il y a aussi la confiture. On vient de sortir le maillot au bout. T'es chill? Nettoyage. Vous l'avez toute la partie. Autant dire que je me compose pas. Ah vas-y, bon, vas-y, vas-y, vas-y. Nettoyage. Tu dois licher les pieds d'un autre participant. Des orteils au talon. Ah, fais chier! Moi, je suis juste là. Juste, je veux dire que. Est-ce que je peux. T'as une brosse à dents? Attends, il en reste trois autres! Les gars, Tom, t'es loin, hein, Tom? Oui, mais c'est pour ça que là. Non, mais peu importe. Là, il y a juste Antoine qui peut gagner si on le fait. Ok, je le fais, 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 je le fais. Tu le fais pour vrai? Ben, gros, je suis toujours. T'as vu, je suis où? Mais l'argent, c'est un truc chez toi, oui. Gros, je suis déjà pas grand rouge, même. J'ai déjà cherché des noirs, je sais pas, c'est bien! On te laisse choisir! Qui s'est lavé genre dernièrement? Genre. Ben moi j'étais à job tantôt, fait que. Okay. Moi je me suis coupé les ongles un matin, mais je me suis lavé. Mais c'est fait de la petite manicure ce matin? Je me suis lavé matin aussi, moi. Je me suis lavé à la samedi. Ok. Mais. Je veux pas te lâcher le pied, gros. Je me suis lavé hier. Parce que j'ai dormi chez un ami hier soir. Oh oui, il y a une belle petite démonstration. J'ai travaillé, j'ai bien sué. En plus, c'est pas beau des. Il y a plein de mousse, man. Oh, man! Ben, la personne peut être. Long! Ah, écoute! On peut aller dans le douche avant. Oh, oui! Je vais faire des 12! 15 minutes later. Ok, non, mais imagine une bonne crème glacée à la vanille, genre, c'est délicieux. Et t'as choisi, tiens? Oh man, mais c'est le pire plan que j'aurais pu imaginer sur ma chaîne YouTube à vie! C'est quoi ça? 15 minutes later. Gros, tu vas-tu faire une manucure? Oui. Tu veux licher? Non, oh, mais oui. C'est un steak, go, let's go! Je suis désolé. Ah ça allait signer quelque chose en dessous là. Ça souffle. Donc, prêt pour le défi numéro 8? Boys, on est rendu dans les 3 derniers. C'est là que ça devient sérieux. C'est pas sérieux ça? Ouais, c'est ça! C'est la plus simple. Gros manque de respect. Mais j'ai peur. Si ça c'était 7. Allons-y, okay. Allons-y. Workout! Je suis dans. Déjà là, je suis dans. Tu dois faire 50 squats avec une veste à poids de 180. 50? Je vais le faire. Ça dérange plus. Parce que j'en ai pas fait un le plus vulgairement. Ben, faites-le les deux. Ben, on a juste une veste. Mais chacun son tour, là. Lui qui fait le plus vite.
Ouais, mais t'es beau, squat. Attends, vite, fais le plus vite. Ouais, mais attends, c'est ça. Ah, ben... ça va être long, sacrément. Ah, 180, man. Attends, 185. Yes. Fais le plus vite. Ok, c'est bon, ça va. Celui qui fait le plus vite remporte le challenge. Ok, non, 3, 2, 1. Bon choix. Prends-toi. Tu fais quoi? Oh, c'est bien! Ok, je l'ai fait bien. C'est beau. Ah, tabarnak, on se dépêche, les gars, let's go! Ah, ok. Go. Allez, allez. Oh, okay. Ah, numéro 8, j'ai fait 1 minute 23 secondes. 21. Ouais. 21. Puis moi, 1:43. 1:43. Il est fini. On se reprend. Défi numéro 9, je pense que Thomas, tu peux nous ouvrir le bal. Parfaitement. Êtes-vous prêts, messieurs? Je suis prêt. Let's go. Pas moi. Manicure. Damn. Te faire faire une manicure couleur arc-en-ciel et le garder 2 semaines. Wow! 2 semaines? Genre, juste ce soir, je l'avais fait littéralement. 2 semaines? Oh. Avec des gars de... De construction. Attends, de construction. Attends, on est de quoi? Démarrez-moi! On est 23? Ils sont en mon job. C'est bon. Billy veut. J'ai déjà démissionné. Il me reste 2 semaines à ma job. Good job, yes sir. En plus, c'est dans le noir un peu, ça se voit pas. Je sais pas ce que je faire. Oh la vie, tu... En plus, ça me permet de m'asseoir. Ok, donc je t'avais vu qu'il y avait de faire ça. On se retrouve pour la manicure. Ouais. Donc, voici le fameux résultat. J'ai aucune idée si on voit. Ah, j'ai tellement de l'air de genre de présenter des produits de beauté, genre. J'ai aucune idée si on voit. On peut applaudir l'heureux gagnant qui nous a qui vient de nous dépouiller de 50$ et qui aura l'air de sortir ouais, avec une microche.